En haut des cimes, on va lire les notes de la main droite, clé de sol. On va mettre le métronome. Pas trop vite. 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, sol, sol. La, si, do, la, sol, sol, sol. Do, si, la, sol, fa, mi, ré. Sol, fa, mi, ré, do, do, do. On va le découper en quatre phrases qui feront deux mesures à chaque fois. Si vous remarquez, le rythme du début de chaque phrase, c'est le même. On a le noir pointé croche. Encore le même, etc. D'accord ? Alors, je vous propose un petit exercice, c'est de le dire sur ta-ta-ta, juste ce petit rythme. 3, 4. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Encore. 3, 4. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Si vous avez bien compris le rythme, on va essayer de faire la même chose un tout petit peu plus vite et avec le nom des notes. 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, sol, sol. La, si, do, la, sol, sol, sol. Do, si, la, sol, fa, mi, ré. Sol, fa, mi, ré, do, do, do. Pour indication, nous étions à 70 à la noire. Main gauche, clé de fa, petit coup d'œil rapide parce que ça va être très facile. On part du do grave, do, mi, fa, mi. Ensuite, on a des pauses pour dire que la main gauche ne joue pas. Et on termine mi, sol, do. Eh bien, vous êtes prêts à le jouer. On va jouer la main droite, on place le pouce sur le dos. Je vais mettre le métronome à la noire à 60. 3, 4, 2. On croise le 3. Et dernière phrase. Je vous propose de refaire la main droite. Je vais l'accompagner avec la main gauche, mais vous ne jouez que la main droite. 3, 4. Alors, vous allez essayer avec les mains ensemble. Je coupe mon métronome. Vous placez votre main gauche, le cinquième doigt sur le dos et la main droite, elle est toujours pouce sur le dos. C'est parti. 3, 4. Do, ré, mi, pouce. 1, 2. Là, c'est facile, il n'y a que la main droite. Croise le 3. Et dernière phrase. Alors là, nous étions à 60 à la noire tout à l'heure quand on l'a travaillé avec le métronome. On va essayer de le faire un tout petit peu plus vite. Si vous voulez, je me mets à 65. Toujours avec les mains ensemble. 3, 4.
Arrivé, bravo! Si vous avez besoin de le refaire, refaites-le. Et si vous voulez essayer un petit peu plus vite, je mets mon métronome à 70. C'est un tout petit peu plus vite. On est prêt? 3, 4. On est parti de 60 tout à l'heure, là on était à 65 et maintenant à 70. Vous avez compris le principe, si vous voulez le faire tout seul en travaillant avec votre métronome, vous augmentez progressivement le tempo. Le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible, le but, c'est de rester toujours précis dans ce qu'on fait.